Salut tout le monde, c'est Foudringer. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Outbreak en version démo. Donc on va voir un petit peu ce que c'est comme jeu. Moi c'est la première fois que je le lance, je sais pas du tout à quoi s'attendre. Je sais qu'il y aura... c'est un jeu post-apocalypse, donc on va voir un petit peu ce que c'est comme jeu, comme graphisme aussi, et tout et tout et tout. Et donc on va jouer sur la version démo. Je mettrai le lien du jeu dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est parti. Alors, vu que c'est en anglais, ça va pas trop m'aider. Donc on va passer. On va... Option. Alors je vais peut-être baisser un petit peu le son parce que je pense que c'est assez fort. Là c'est à fond. Ok. Le volume, on va le baisser. Ça aussi. On sait jamais si quelqu'un vient me parler. Je pense que c'est bon. Si jamais je trouve que c'est pas assez fort, je le remettrai plus fort. Les contrôles, par contre, j'ai pas regardé. Bon, à la rigueur, les contrôles, je mettrai mon clavier en QWERTY directement. Ça devrait aller. Back. Et donc, c'est parti. On va faire la campagne. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas. Back. Là, back, voilà. Donc, nous avons un player, hein, un seul player. On peut jouer en multi. On a les statistiques ici. On a story ici, je pense que c'est. Bah, d'ailleurs, je peux même pas cliquer dessus, d'accord. Crédit et pour sortir du jeu directement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. On va jouer à. Une seule personne. Et on va faire directement une campagne, je pense. Pour voir un peu ce que c'est. Et comment ça marche. Donc, c'est le scénario. Nous avons un tutoriel. Nous sommes en difficulté normale. Nous avons le caractère maçon. Âge 34 ans. 1m78 pour 99 kilos. Ok. Nous avons des traits de caractère, je pense. Donc dommage, résistance, blablabla. Dommage que c'est en anglais. Nous avons une arme à feu. On peut choisir la difficulté et ainsi de suite. On peut peut-être jouer même avec des amis. J'en suis pas sûr. Bon, après, vu que c'est en multi, je pense que oui. Donc on va tester le tutoriel. J'espère qu'il n'est pas trop compliqué. Et voici un petit peu le style de jeu. Ok. Hop, je vais changer mon clavier. Voilà. Ok, alors. Oh là là. Il bouge vraiment bizarrement. Les effets de lumière, je trouve que ça fait mal aux yeux. Bon, on va voir. Alors. Ok. Donc c'est parti. On doit avancer. Par contre. La maniabilité du personnage est pas terrible. Là, je tourne à fond et il tourne pas vraiment au point, quoi. Alors, inventaire. Ça, c'est la vie de Finn. Ok. L'équipement, un pistolet. Ok. D'ailleurs, on va peut-être l'équiper. Voilà. Ok, donc c'est parti. Donc il y aura des créatures, des choses du genre, hein. On va voir un petit peu ce que c'est. Et je pense qu'il faut protéger ce personnage. Donc la map. Ah oui c'est vrai, j'ai changé. Donc voilà un petit peu la map. Je peux la bouger. Je pense que ça c'est un ennemi, j'en suis pas sûr. Ok, bon, on va voir ça tout de suite. De toute façon, est-ce que je peux fouiller? Je pense pas que je peux fouiller pour l'instant. On va aller ici. Ok, je pense que là je peux fouiller. Ok, là je peux fouiller les choses. Ok, une clé, yes.
On la récupère. Après le petit tutoriel. Par contre, la mobilité du personnage est vraiment pas terrible. Ça, je trouve ça pas cool du tout. On va fouiller. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses à prendre ou peut-être pas, hein, mais je préfère fouiller. J'ai pas l'impression que je peux courir. Pour l'instant, du moins, je peux pas courir. Bon, après, on est dans le tutoriel, donc faut attendre que tout se mette en place, je pense. Ok. Rien à fouiller. Ok, hop, on va passer de ce côté. Voilà, la médiabilité du personnage est vraiment pas terrible. Mais je pense qu'ils ont fait exprès pour que ça soit vraiment. Par contre, petite information, je joue avec le clavier et la souris, hein, pas de manette. D'ailleurs, je sais pas si je peux. Non, j'ai la manette de connecter, mais je peux pas jouer avec. Faut sûrement la régler tout ça. Et là, pourquoi j'ai. Ah, un coffre. Je sais que j'ai une clé, donc. Non, ça marche pas le coffre. Ok. Là, on a un truc qui brille. Antibactéries. Ok, yes, on récupère. Ça va sûrement pour un truc pour nous soigner. Hein. De toute façon, on voit quand même facilement quand on a quand on peut récupérer quelque chose. Ça brille. Alors, peut-être que c'est dans le tutoriel que ça brille, je sais pas. Inventory. Oui, bah c'est ça, hein, je pense. Voilà. Hop. Ah, d'accord. Il me dit d'aller là pour utiliser sûrement la clé. Voilà. Ok. Il le fait pas automatiquement, en fait. Ensuite, qu'avons-nous ici? Il y a un truc qui brille, je crois, ici. Ouais, j'ai deux trucs qui brillent ici. Donc, des munitions. Si on commence à avoir des munitions, c'est qu'on va utiliser sûrement le pistolet. D'ailleurs, on va se l'équiper tout de suite, comme ça, c'est réglé. Équiper, voilà. Et par contre, on peut aussi combiner. Est-ce que je peux combiner? Non, par contre, je vais peut-être équiper de celui-ci. Est-ce que 9 mm combiné? Voilà, j'ai combiné avec les munitions. Comme ça, je recharge ce pistolet là et on utilisera celui-ci plutôt. Alors, je pense qu'on aura aussi. Qui brille là-bas. Allons voir ça. Ah, un couteau, ok. Tac. Ah, je peux pas le prendre. Attendez voir. Tout. J'ai plus de place dans l'inventaire. Ça veut dire que je suis obligé de jeter un truc. Là, ça m'ennuie un petit peu. Bon, non, on va pas prendre le couteau, on va tester son couteau, de toute façon on a des munitions. Mais est-ce que les munitions vont être plus intéressantes? Est-ce que ça va déjà beaucoup m'aider avec les munitions? Quoi, je sais pas du tout. On va aller de ce côté. Ok. Ça c'est lampe torche, super. J'aurais déjà pu me le donner déjà dès le début. Mais bon, c'est pas grave. Et je ne peux toujours pas courir. Alors, je pense pas que je peux courir sur ce jeu-là. Donc, j'espère que le tuto est pas trop long non plus. On va regarder la map. Ok, ouais, on va continuer dans le coin là.
Ah, j'ai trouvé comment viser. Ok, super. Il y a un truc. Mais vu que j'ai plus de place dans l'inventaire. Ah ouais, j'ai plus de place dans l'inventaire. Comment tu veux que je fasse? Dropper ça. Faut la clé de toute façon. Ça m'ennuie un petit peu de jeter ça, mais j'ai pas le choix. Il y a aussi un truc, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de courir. Ça me donne envie de courir. Il avance pas assez vite, je trouve. Ah, par contre, quand je vise, je peux tourner, mais je peux pas. Ok, oh là là, ça a l'air d'être assez dur. Ok. Donc là, hop. Un code. J'ai pas vu de code, je peux pas aider. Mais peut-être que j'ai le code là-bas. On va aller voir ça. Hop. 11, 23, 58. 11, 23, 58. 11, 23, 58. Oh, encore un autre pistolet. Inventaire. Je le drop parce que je veux juste voir l'autre pistolet comment qu'il est. C'est le même en fait. Yes. Inventaire. Ouais, c'est le même, exactement le même. Je vais dropper les munitions. Alors vous allez peut-être me dire eh, pourquoi je droppe les munitions? Bah tout simplement parce que si je prends le pistolet là, j'ai déjà des munitions dedans. Comparé aux munitions que j'ai là, j'en ai à peu près 5. Bah, je gagne plus de munitions en gardant en fait le pistolet. Tout simplement. Alors, un truc qui brille là-bas. Un truc de corps à corps. Mais c'est pareil, ça me. J'en ai pas besoin. Enfin, je pense pas. Mais ça me paraît bizarre quand même qu'il donne énormément d'objets pour le. Pardon. Pour le peu de place que j'ai dans mon inventaire. Alors, j'ai option F1. Ah oui. Que c'est juste pour me dire que c'est les options. Voilà, tac, hop. On va l'utiliser. Ok. Par contre, vu que j'ai perdu des trucs, je vais aller quand même récupérer. Vu que il me reste une place d'inventaire, je vais quand même récupérer un corps à corps, une arme au corps à corps, et on va prendre celle-là là-bas. Voilà, comme ça, j'ai quand même une arme au corps à corps s'il faut, et le pistolet. Par contre, curiosité, est-ce que. Comment ça marche? Ok, faut que je. Ok, c'est un peu spécial, hein. Mais quand je suis équipé de l'arme, je ne peux pas avancer. Je peux que tourner. Donc, ça, c'est vraiment à se méfier. Dans tous les cas, ça veut dire que s'il y a des créatures, je suis obligé de les attaquer. Quoi qu'il se passe, je peux rien faire d'autre. De toute façon, là, on va sûrement se faire attaquer bientôt. Hein.
qui brille. Donc on y va. Je voulais juste savoir pour le son si c'était bon. Ah oui, c'est vrai, j'ai l'inventaire qui est plein. Qu'est-ce que je peux jeter? Ça, je jette, mais c'est juste pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. No. C'est juste par curiosité que je puisse quand même voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça doit être sûrement des trucs de soins, des machins comme ça, mais vu que c'est en anglais, j'ai pas trop. Ah d'accord. Ah ouais, mais non, mais je préfère à ce moment-là, je préfère jouer avec la souris. Il m'explique en fait comment attaquer, mais ça, je connais. Là, il y a un truc. Non, ok. Par contre, ici. Ok. Pour l'instant, le tutoriel n'est pas vraiment très intéressant. Nous avons des pistolets et une boîte de munitions. Hop. Pistolet, ouais. Ah, j'ai pas de place, donc je suis obligé de les zapper. Hein. Ça me paraît vraiment bizarre qu'il donne autant de choses pour le peu de place que j'ai. Encore, ils auraient déjà pu mettre quelques créatures, moi je pense. Bon, là, je peux rien fouiller. On va partir. Regardez la map. Je peux pas bouger la map, c'est dommage. Bon, là ça va être grand. Alors, peut-être qu'ici je pourrais peut-être trouver des créatures. Ça serait bien parce que là le tutoriel prend du temps quand même. Voilà, ennemi, machin. Donc, ça sera peut-être une zone où il y a des créatures. Oh là là, les munitions. Ah, ça se voit bien que c'est une démo. Ils veulent nous faire essayer tout plein de pistolets. Ok. Ah. Oh là là là. Ok, ouais, les attaques seront vraiment spéciales. Inventaire. Ah, si je peux avoir plein de pistolets, autant que je les. Yes. Celui-ci, il a l'air d'être fun. Là, je sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est des munitions. Corps à corps, franchement, j'aime pas, donc c'est même pas la peine d'essayer. Inventaire. Anti-personnel, grenade launch. Oh là là. Ok. On va prendre des munitions. Un magnum. Ok, j'ai pas de magnum. Donc, j'en ai pas besoin. On va s'équiper quand même d'une arme. Voilà. Toi, tu mets quoi comme munition? De 5,56. Ok. Donc il faut que je t'en trouve. 9. Shotgun. Le shotgun, j'en ai. Donc on va le récupérer.
Celui-ci, on va regarder. C'est peut-être. Ça, c'est peut-être les munitions pour le. Ah, c'est dommage que je peux pas regarder, quoi. Je suis obligé à chaque fois de faire inventaire. De faire drop. Et de. Oula. Hop. Grenade launcher, ouais, ça doit être celui-là. Ça me donne du combien des grenades? Ouais, hop. On va le garder quand même, on verra bien. Alors. Le spécial. En fait, vu que c'est une démo, on fait le tutoriel en même temps. Et c'est juste un petit peu pour nous montrer un petit peu le style de jeu. Il nous fait quand même essayer pas mal d'armes. C'est une démo, ils essaient de nous appâter avec des armes et tout ça. Par contre, le jeu me paraît vraiment bien. Ce qui est juste dommage, c'est la maniabilité du personnage. Mais je pense que ça, c'est fait exprès, quoi. Ça, c'est. Ça doit être fait exprès que. Qu'on tourne comme ça. Munitions, j'en ai encore 5. Ça devrait suffire pour tuer encore un gars. Ah! Je pensais que ça aurait suffi, mais non. Équipé. Hop! Ok. 5 munitions, en fait. Je pensais que ça aurait suffi, mais non. Là, il y a une autre salle, on va voir. Allez, allez. Yes, j'arrive à tourner. Non, mordu. Oh, t'es pas mort. Inventaire. 4. Je vais t'équiper de ça. On va le tester celui-ci. Munitions. Vu que j'ai plus l'inventaire de plein. Ça m'aide pas et on voit que j'ai perdu un peu de vie. Ok, on va monter, voir un petit peu ce qu'il y a là-haut. Ok, du coup, bah non, c'est toujours plus intéressant d'attaquer avec celui-ci, même s'il prend plus de temps à attaquer. Barricade B. Ah, d'accord. Je peux créer des barricades. Barricade. Ah, faut que j'attends un certain temps. Oula. Ah, ouais, mais ça dure pas longtemps en fait, ça. Ok. On va continuer. Il y a encore notre ennemi devant. Voilà. Là, on peut pas aller vers le bas. Je pense pas. À moins que je me fais toucher. Ah non, je pense pas. On va aller plutôt de l'autre côté. Ah, c'est la zone. C'est pour sortir. Ok, d'accord. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut continuer? Ça me dit pas trop ce qu'il faut. Ah, je crois que je suis obligé de quitter. Ah, dommage. Ok, bon, bah, au moins on a vu un petit peu le style de jeu, ce que c'est. On a vu un petit peu les armes aussi qu'il peut avoir. Oh, c'est un petit jeu qui pourrait être sympathique, je pense. Peut-être même le multi pourrait être sympa. Ça reste un petit jeu sympathique.
à essayer, à tester. Il y a juste la maniabilité, franchement, moi, que j'aime pas du tout, c'est la maniabilité. Mais ça reste un petit jeu sympathique quand vous savez pas trop quoi faire. Hop, vous jouez un petit peu dessus, et puis voilà. Ok, donc j'espère bien que ce jeu découverte vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un j'aime, abonnez-vous. Allez, à peu plus!